Des précédents modèles 115 cm3, les nouveaux Yamaha D-Lite et MBK Flipper 2017 ne conservent que le nom. Tout ou presque est nouveau sur ce petit urbain, bien plus groovy qu'avant. Avec sa nouvelle proue rappelant celle du Viti, une poupe moins rondouillarde, le D-Lite 2017 a perdu un peu du charme rétro du précédent millésime. Ce design plus consensuel devrait continuer à séduire ces dames, tout en plaisant davantage aux messieurs. C'est un régal pour la ville, hein, ce petit D-Light. On se faufile partout. On fait demi-tour dans un mouchoir de poche. J'ai rarement vu plus facile, hein, en fait. Bon, pour mon gabarit, on a suffisamment de place pour les jambes. Les plus grands pourront peut-être être un petit peu gênés au niveau des genoux par le guidon. En tout cas, la position est décontractée, tout en restant dynamique. Bon, on n'a pas trop d'appui sur les poignets, hein, comme on peut l'avoir sur certains scooters italiens, avec une selle haute et un guidon bas. Si la hauteur de selle a augmenté à 800 mm, le poids n'a pris qu'un kilo, à 99 kg à sec, malgré le volume du réservoir en hausse d'un litre à 5,5 litres. Le gabarit reste hyper compact et le passage de la jante arrière de 12 à 10 pouces amplifie encore son allure miniature, même si heureusement le train avant reste confié à une jante de 12 pouces. Au tableau de bord, le compteur de vitesse à aiguille est complété par un écran numérique avec horloge, jauge de réservoir, odomètre et trip partiel. Enfin, s'il n'offre pas de boîte à gants, le D-Lite se distingue par une soupe avalant deux casques, dont un petit intégral. Et très pratique, le contacteur à volet anti-effraction permet d'ouvrir le coffre moteur allumé comme moteur éteint. Là, la partie cycle, on sent qu'elle privilégie donc la vivacité, la maniabilité dans les petits coins en ville. Les suspensions sont honorables, on va pas dire que c'est le grand confort non plus. Ça sautille un petit peu dans tous les sens, ça c'est le fait aussi des petites jantes. Mais en tout cas, rien de malsain. Alors si l'unique amortisseur est un petit peu sec sur les petits chocs, en revanche la selle est vraiment assez moelleuse, donc ça compense. En duo et sur les grosses contraintes, ces suspensions au tout petit débattement ne font pas de miracle. Toutefois, le passager peut apprécier un espace bien étudié pour le recevoir, avec repose-pied escamotable et belle poignée. Un bon point, surtout que le nouveau moteur assure pour deux. Ce monocylindre 125 cm3 adopte la même technologie basse friction Blue Core que son cousin N-Max. Ici à deux soupapes et refroidi par air, il développe 8,4 chevaux et un couple de 9,8 Nm, ce qui est bien mieux que le précédent et surtout très efficace. Et efficient, puisqu'il ne consomme que 2,6 litres au 100 pour une autonomie de 210 km. Bon, alors évidemment, qui dit grande vivacité, dit un petit peu moins de stabilité sur voie rapide, mais bon, il n'est pas fait pour ça. En revanche, on apprécie le moteur dès le démarrage. Belle performance, hein, ce nouveau moteur Blue Core. Très bonne réactivité, souplesse de la transmission, linéarité hein, sur toute la plage de régime et une vitesse maxi quand même pas si mauvaise avec 110 km/h compteur. Et 107 au GPS. Pour un petit urbain, c'est pas mal. Alors ce qui est marrant, c'est comme ça, au ralenti, le moteur offre quelques petites vibrations qui m'évoquent, bon, toute proportion gardée, les V-twin américains. Et c'est pas désagréable. Mais sinon, par la suite, les vibrations sont bien gommées. Simple disque 180 mm avec étrier simple piston à l'avant, tambour arrière, le tout combiné. Le freinage est basique, mais néanmoins efficace. Très bon boulot aussi hein, sur le freinage, couplé au levier gauche. Progressivité et puissance sont appréciables. C'est rassurant aussi, bien qu'il n'y ait pas d'ABS, on fera attention sur le mouillé, bien sûr.
Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de me faire un petit freinage un petit peu serré. Et puis, ma foi, j'étais très satisfaite de la puissance, de la progressivité et de l'efficacité, tout simplement. Digne héritier des Sinus et Viti en entrée de gamme, le D-Lite alias Flipper 2017 nous a bien plus convaincus que la précédente mouture. Moteur performant, appétit de moineau, freinage efficace, grand coffre, duo préservé, il offre toutes les qualités que l'on peut attendre d'un petit 125 urbain. Du coup, à 2 799 €, les 500 € de plus à débourser paraissent presque justifiés. Faut que je le fasse pour faire plaisir à Mehdi quand même et puis à tous les quarantenaires. Hein. Groove in the heart, ah, la, la, la. Groove in the heart. Mais oui, c'était D-Lite hein, qui chantait ça dans les années 90.